Hola, soy Junior y estamos en Agatha Christie Hércules Poirot de London Case. Sí, ha salido un nuevo juego de Agatha Christie Hércules Poirot. Vamos a poder disfrutar un ratito aquí junto en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Micro. Y así que, muchas gracias. Yo voy a contar un poquito de qué va esta nueva entrega del detective más famoso de Francia. Dice, os cuento, dice, por primera vez en la historia, los jugadores tendrán la oportunidad de formar equipo con el conocido compinche de Poirot en los libros Hastings. Dice, en este nuevo juego de aventura detective encarnará al famoso detective Hércules Poirot, que une su fuerza con el Joint London para garantizar el transporte, la protección y la venta de un valioso cuadro de María Magdalena. Será la pieza central de una nueva exposición en un museo de Londres que contará con otras obras de arte eclesiástico cedidas por Bruselas. Así que, como digo, es un nuevo juego del Hércules Poirot. La acabo de estar, la acabo de abrir, lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Así que del tirón, ¿no? Aquí partida nueva, pues venga, partida nueva. Vámonos. Hércules Poirot. La pose la he puesto en francés porque es un detective francés. Inspector Poirot. Eso es. Ah, commissaire. Monsieur le commissaire. Au contraire. Un moment. J'ai tout mon temps. Attends. Mi français est muy básico, pero bueno. Más o menos, le transport sécurisé d'un tableau. Dites-moi tout. Esta que es la intro, no se puede saltar. No. Tiene que ir a la galería de Edward. ¿Qué pasa? ¿Que alguien lo va a intentar robar? Hércules Poirot lo tiene que impedir. A toda costa. Ambición. Como tenga copista música, me va a mutear este cacho del vídeo, tío, en YouTube. Muy guay, pero tío, no tengo ganas de que me digan nada por la cinemática, tío, así que la voy a saltar. Se puede. Si l'homme avait été fait pour parcourir les océans dans ces conditions, il aurait été doté de nageoires, c'est évident. J'ai besoin d'une distraction. Où est ce fichu contact? Comment suis-je censé me préparer pour une mission si je n'ai pas toutes les informations requises? Très bien. Oui, je n'attendrai pas plus longtemps. Très bien. Oui, bien. Magnifique, vous ne trouvez pas? Magnifique. Pardon? Monsieur? L'océan? Ah, c'est vraiment quelque chose. Passagero? Quand on souffre de mal de mer, passagero, no? Que le côté magnifique passe au second plan. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir peur de l'océan de nos jours. Les gens ordinaires comme nous peuvent désormais parcourir le monde. Je peux vous assurer que ce n'est pas une question de peur. Et quant à être ordinaire... Oh, ne le prenez pas mal, monsieur. Je suis... Excusez-moi, madame. Je vous en prie, ça arrive. Oh, mon étui à cigarette, où est-il? Je n'ai pas vu de... Vous pensiez que je ne remarquerais rien? Une jeune femme voyageant seule. Une cible facile pour vous, j'imagine. Je suis certain que la jeune femme appréciera sûrement l'aide de deux étrangers de notre classe. Prólogo, el barco. Tenemos que encontrar la pitillera de la señora, ¿no? Libro. Leer un modo excelente de distraerse del océano para compartir, acompañar la lectura de un té. Objeto desconocido. Algunos objetos se pueden ver con más detalle. Puede estar la pitillera, no la hemos encontrado. Acercar imagen. Cierre de botón.
Deja la imagen mover, gira. Un segundín. Que llame. Pues ya hemos encontrado la pitillera, se la hemos dado a la chavala, bien. Florence Farquhar. Enchanté. Tout le plaisir est pour nous. Je crois que tout est là. Parece que está todo, menos mi polvera. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Oui, merci, mademoiselle. Babanin, Anastasia. Anastasia Babanin. Anastasia? Quel joli prénom. Alors qu'en français, non est apellido y prénom est nombre. C'est lo que précède al nombre. Non y prénom. Eh bien, je crois que j'ai tout. Merci à vous tous pour votre aide. Je serai ravi de vous escorter. Je vais prendre votre sac. Oui. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la cabine 4. 4. Je vous suis. Anastasia, pourrais-je vous offrir un verre tout à l'heure pour vous remercier? Tout à l'heure et luego. Avec plaisir. Et vous, monsieur? Et vous, monsieur? Inspecteur Hercule Poirot, à votre service. Inspecteur? Je ne m'attendais pas à tomber sur un homme aussi distingué à bord. Je ne m'attendais pas à tomber sur une personne d'origine russe sur un bateau reliant Anvers à Douvres. Je ne me souviens pas avoir mentionné mes origines. ¿Cómo que sabe que soy de origen ruso? Belleza arrebatadora, Anastasia procede de Anastasia, acento de Europa del Este. Por el acento. No es así, venga, concéntrate. Anastasia procede de Anastasis. Significa resurrección en griego. Belleza arrebatadora. C'est votre prénom. Anastasia, prénom d'origine russe signifiant résurrection. Et moi qui me croyais spéciale. Vos connaissances sont impressionnantes. Esto es lo que le quieres tocar el pito, ¿sabes? Al Hercule Poirot. A ver. Il ne reste plus que nous, on dirait. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de votre terre natale. Peut-être pourrions-nous nous retrouver au restaurant? L'idée me plaît beaucoup. Mais je me sens très fatiguée. C'est sans doute l'air marin. Alors je vous laisse vous reposer. Au revoir. Au revoir está bien dicho. Adieu, no. Decir adieu en français está considerado como una falta de respeto. Se dice a tout à l'heure, à bientôt. En dépit d'un repas délicieux. Pero adieu, nunca. Je n'ai pas arrêté de penser à mademoiselle Babanin. Elle a un charme indéniable. J'ai négligé mes devoirs. Il est temps que je récupère mon carnet dans le coffre-fort et que je me mette au travail. La combinaison n'était pas difficile à retenir. 1815, la bataille de Waterloo. Ha dicho 1815, ¿no? Et voilà. Il est temps de... Veo. Impossible d'ignorer un cri aussi glaçant. L'étui à cigarette de ma mère, il a disparu. Qui a pu me le voler? Mademoiselle, calmez-vous, je vous en prie. Vous êtes inspecteur, c'est vrai? Quelle chance. L'un des meilleurs inspecteurs de Belgique, d'ailleurs. No vaya tan sobrado, j'ai besoin d'un maximum d'informations sur le crime à présent. Arrivé à ma cabine, j'ai commencé à défaire mes valises. Je n'arrivais pas à faire fonctionner le coffre-fort, mais le monsieur qui m'avait aidé à porter mes bagages m'a montré. Ensuite, je suis allé faire une petite promenade et à mon retour, le coffre-fort était ouvert et l'étui à cigarette avait disparu. Il faut établir la liste des suspects, les personnes au courant de l'existence de l'étui à cigarette. Uniquement les personnes qui se trouvaient sur le pont lorsque mes affaires sont tombées. Mademoiselle Babanin, le porteur, et vous-même. Et c'est inconnu très serviable. Oui, et bien sûr. Je vous demanderai de les rassembler, s'il vous plaît. Et en votre absence, je vais commencer mon enquête ici, si vous me le permettez. Tout ce que vous voudrez tant que vous retrouvez l'étui. Otra vez se la ha perdido, la pitillera la pava, tío, joder.
Florence Farquaad. Llaves de la habitación. Estaba sola en su camarote. Conocía la combinación de la caja fuerte, pitillera. Es importante que preste atención a toda la información de las pruebas que obtenga para volver al escenario. Lo puedo mover. L1 para girar los espacios. Artículo de periódico, no sé qué. Y tenemos que encontrar la pitillera. Un segundín, porque hacemos así. Y pipa. Pues ya está, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.